Alors, Jeanne Barret, la voyageuse invisible, c'est l'histoire d'un personnage qui a réellement existé, une femme assez incroyable du XVIIIe siècle, qui a été amenée à faire le fameux voyage autour du monde de Bougainville, parce qu'elle est devenue la compagne d'un des naturalistes qui a été engagé dans cette expédition. Mais comme les femmes étaient strictement interdites à bord, elle a fait le voyage déguisée en homme, comme valet de ce naturaliste qu'elle a suivi. Donc elle a passé 2 ans dans la cale ou dans l'entrepont exactement, au milieu des marins, jour et nuit. Ça fait des semaines qu'elle se bat pour obtenir le respect de l'équipage. Et les matelots aiment bien sa bonne bouille pleine de taches de rousseur. Ils disent... Le Jean, c'est un bon petit. Un bon petit gars, avec un gros cœur à l'ouvrage. On a voulu aussi que le décor soit un gradin en quelque sorte. Les comédiens jouent sur une scène centrale très étroite et il y a un gradin bifrontal avec des spectateurs très très proches des deux comédiens qui racontent ces histoires.